Bonjour tout le monde, c'est Absolu Cario. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture encore de booster, mais cette fois-ci ça va être un coffret, et pas n'importe quel coffret. Alors, je suis très content de l'ouvrir, parce que c'est le coffret Rixilius X. Je m'attendais pas du tout à l'avoir, ce coffret. À la base, je cherchais en fait le coffret Rayquaza, qui est similaire à celui-ci en fait. Donc avec 5 boosters et puis une carte promo et une carte jumbo. Et en fait, je suis tombé là-dessus. Donc impossible de trouver le Rayquaza, mais bon, je pense qu'il va pas tarder à sortir un peu partout, enfin j'espère. Et en tout cas, King Joy, je l'ai pas trouvé. Et voilà, je suis tombé sur ce coffret. Très très surpris, je pensais pas qu'il sortirait en France. En tout cas, pas maintenant, avec tous les coffrets qu'il y a déjà en ce moment, à savoir le Rayquaza, donc celui-ci, et puis les deux Kyogre et Groudon là qui sortent. Je trouve ça assez impressionnant en termes de sortie, les Pokébox, tout ça déjà. Donc très content d'ouvrir ça. Surtout que la carte promo est superbe. Donc on peut voir, je vais ouvrir, hein. On peut voir le Rexilus. Alors ce coffret il contient 5 boosters, dont 3 boosters origine antique, donc c'est plutôt bien. Je crois que c'est comme le Rayquaza d'ailleurs, il y a aussi 3 boosters origine antique. Dedans on peut voir qu'il y a un point furieux, et puis en dessous si on regarde bien on a un étincelle. Donc c'est plutôt sympa, à part pour le point furieux, bon on en a un petit peu marre de point furieux. Surtout qu'on n'a pas beaucoup dans les coffrets, il n'y a quasiment jamais de ciel rugissant ou Primochoc, hein, par certains coffrets Libégon et Galam. Donc on va s'ouvrir ça. D'abord, je vais faire un petit clin d'œil à Thiboudouboudou qui m'avait fait ce magnifique Lucario en perles. Donc, c'est des mini perles Hama. Je trouve que ça rend encore mieux qu'avec les grosses perles. Que regardez, il rend vraiment bien. Donc, Thiboudouboudou, j'ai pris ce pixel art exprès pour que tu me portes chance, comme dans tes ouvertures du lundi, où tu as vraiment beaucoup de chance. Donc voilà. J'espère que grâce à toi, j'aurai de la chance. Donc, je vais le garder avec moi. Il va me suivre. Je vais le mettre là sur le côté. Voilà. C'est parti, on va s'ouvrir ça. Donc super content d'être tombé là-dessus par hasard. Un peu galère à ouvrir. Il est un petit peu gros. Voilà, plastique à enlever. J'aime bien ce coffret, je le trouve très beau. On peut voir des rochers tout autour. Je trouve ça très sympa, avec le Rexilus sur le côté. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a encore le Rexilus en gros. Et puis la description qui m'a fait un peu, qui m'a fait marrer. Genre, quel Pokémon a plus de dents qu'un troupeau de tronçonneuses et peut réduire une épaisse plaque de métal en confetti? Rixilius X, bien sûr. Bon, après, je vais pas tout lire. Si vous voulez lire, bon, je vais essayer de le mettre. Voilà. Si vous voulez lire, pas de soucis. Faites pause. Voilà, très beau coffret. Donc, on va s'ouvrir ça parce que j'ai hâte de regarder ça. De voir les cartes. Alors. On a donc la carte promo. Ah, il y a un petit code online derrière. Voilà. Donc le code je garde pour moi. Regardez-moi cette carte. Moi j'aime beaucoup. Je sais que c'est une carte promo qui est sortie au Japon. Je sais plus pour quelle occasion d'ailleurs. Donc c'est vraiment cool qu'ils la sortent en français. Très beau Rexilus, moi j'aime beaucoup. Avec les pierres. Les petits éclats un peu partout. Donc on va mieux voir sur la jumbo en fait. Je vais vous montrer la jumbo. Tac. Waouh. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je la trouve magnifique. C'est la XY70. Et la carte, elle est vachement. Elle est très glossy, un peu comme les nouvelles cartes jumbo qu'ils ont faites, là, Libégon et Galam. Par rapport aux anciennes qui étaient vraiment moins bien, je trouve. Celles-ci, elles ressemblent vraiment aux ex. De la série, enfin, des séries. Très très jolie carte. Bon, je vais la laisser en fond pour l'ouverture. Ainsi que la petite carte promo. Voilà. Espérons que ça nous porte chance. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un booster ou pas déchaîné. Un Mega Rayquaza Shiny. J'ai pris exprès en fait le coffret parce que je voulais un booster Mega Rayquaza Shiny. On a un Primo Groudon Shiny. Ah super. Donc c'est un Mega Dracaufeu Y et un Mega Scarino. Donc très très bien, très très bien, donc c'est l'honneur Omega. Donc on va commencer par le point furieux, ensuite je vais ouvrir l'étincelle, et puis les trois boosters origine antique, qui sont les plus intéressants pour moi. L'étincelle aussi, parce que bon, c'est quand même des bonnes cartes, hein, les Dracaufeu. Donc 5 boosters, pour le prix du coffret qui coûte 25 €, donc ça fait environ 5 € le booster, ce qui est plutôt correct, puisqu'on a la promo en plus, etc. Donc c'est parti avec point furieux. Pareil, moi, il y a plein de gens qui aiment pas trop cette série, mais moi j'aime beaucoup. Forcément, il y a Lucario. J'aime beaucoup, surtout
en carte Lucario Full Art et puis la méga Lucario. Sinon, les autres, c'est vrai qu'elles sont un petit peu fades. Mais il y en a des sympas quand même. Hein. Comme par exemple le Scarino Full Art que j'aime bien et le Dracolos. Allez, on commence avec. Du coup, j'ai mis le trépied sur des livres, alors faut. J'ai pas l'habitude, faut que je mette plus haut. Voilà. Evoli. Electek. Scrutella. Rien à voir avec Nutella. Makuhita. Excellang. Le Capoeira. Un Melodelph. Sympathique. Le chercheur de fossiles. Donc lui, on voit qu'il a beaucoup cherché, à force de chercher, il s'abîmait les yeux. Parecool. C'est une quoi? C'est une commune reverse. Très bien. Et en rare, on termine avec Maganon. En rare. Ok. J'aime bien cette carte. Moi, Maganon et les câbles. Très jolie carte. Bon. Ça commence tout doucement. Hein. J'espère que ça va aller mieux après. Alors, est-ce que c'est un booster de presse? Oui, c'est un booster de presse. On peut le voir. Enfin, on peut le voir. Pas vraiment, mais on voit qu'ils ont recollé un. Ils ont recollé un code barre dessus. On voit derrière, c'est marqué diff. Point plus. Booster de presse. Moi, c'est pas grave. Faut quand même avoir de bonnes pioches dans les boosters de presse, hein, ça veut rien dire. Après, voilà, en fait, c'est les boosters qui ont été récupérés je ne sais où. Voilà. Le 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti. Donc, il me manque quoi dans l'étincelle? Il me manque Mega Dracofeu X, Mega Kangourex, et puis. Qu'est-ce qu'il manque? Je sais plus. Bon, okay. Dracofeu, Mega Dracofeu X secrète. Voilà. Pomme de pique. J'ai dit au permis? Non. Pomme de pique. Mustelbouet. Fouinette. Obali. Coucou à la copine de Tosso d'époque. Voilà. Elle aime bien Obali. Chartor. Tempête magnétique. Le Fogler. En reverse, on a un Grenipio. C'est une commune reverse aussi. Et en rare, le troll, Fermite. Fermite en rare, bon. De rare pour le moment. J'espère qu'on va avoir les bonnes pioches du coup dans les origines antiques. Ça me ferait vraiment très plaisir. On va commencer avec le Oupa. Je crois que je vais finir avec le Mega Galquaza. Voilà. Commencer avec le Oupa déchaîné. J'en fous partout, mais booster. 1, 2, 3. 1, 2. Et c'est parti. Avec un petit mucuscule. Axoloto. Prends le bain. Balbuto. Persian. Magikarp. Je crois qu'il est dans tous les boosters, lui. Bras écologique. Un casque chance. J'espère qu'il va nous porter chance. Hein. Migalos, qui est une très très jolie carte. J'aime beaucoup cette carte. Pokémon en lui-même, bof, mais la carte est très belle. En reverse, on a un Metang, qui est une peu comme une reverse. Très bien. Et en rare, un Voltali holographique. Très bien. C'est une très très belle holographique. Une des plus belles dans l'extension, avec pour moi le Entei. Entei qui est en très antique holographique. Voltali. Très jolie carte, donc c'est cool. On va la mettre là. Ça commence bien pour Origine Antique, c'est bien parti. Si on commençait avec une holo. Allez, Primo Groudon. Qui est plutôt chanceux aussi comme illustration. On va essayer de vérifier ça. Hop. 2, 3, 2. Voilà, j'essaye de ne pas me spoiler au toucher des cartes. Alors, c'est parti avec. Pyronil, Mimigal, Golemastoc, Porygon, Sepiatros, la forêt de plantes géantes, Pyroi, très belle carte aussi, l'énergie de danger, pourquoi danger, je ne sais pas. En reverse, on a Farfaduvet, c'est quoi? C'est un peu comme une reverse, d'accord. Et en rare, Métallos. En très antique, ok. Donc je mise tout sur le meilleur Rayquaza.
Le booster est comment? Il est plutôt pas mal. Plutôt sympa. Bon allez, on y croit. Deux, trois. Un, deux. Tac. Et on commence avec Misterbe. Petit coucou à l'ortidien. Voilà. Terral. Mucuscule. Le Miaouze qui fait bronzer ses pieds. Pyronil. Migalos. Le rouleau à peinture. Colimucus. Le casque chance en reverse. Donc on va voir ce qui porte chance ou pas. Je crois pas trop. Ah, pourquoi ça se faisait bien fou? Bon. On aura Kaorin Noir. Bon. Kaorin Noir, ok. Pas la meilleure rare quand même. Mais c'est pas mal. Bon, bah, petite pioche. Hein. Petite pioche sur 5 boosters. Je vais pas faire de récap spécifique puisque j'ai mis la meilleure carte de toute façon ici. Hein, c'est Voltali holographique. Donc une très belle holographique, hein, mine de rien. Même si j'espérais une petite ultra quand même. Donc petit boudou boudou. Hein? On n'est pas lundi, c'est peut-être pour ça. Faudrait peut-être que je joue le lundi en fait. Peut-être que tu me porterais plus chance. Bon. Voltali holographique. Et puis bien sûr la carte de ce coffret. Le Rexilus qui est à l'honneur. Très belle carte. Hein. Donc pour cette carte, ça vaut le coup. 5 boosters, vous avez de la chance, une chance quand même de choper quelque chose de sympa. Rexilus et la Jumbo, bien sûr. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même un beau coffret. Surtout que je m'y attendais pas du tout. Très beau coffret. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ce coffret vous plaît? Est-ce que vous allez l'acheter? Voilà. Moi, j'ai bien aimé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles ouvertures. Allez, salut tout le monde!